Bonjour tout le monde. Oui, c'est une vieille vidéo. Boum! Pardon, monsieur? Ben non, vous voulez pas vous garer là? Vous n'avez pas à vous garer là, pas compliqué. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas ce que vous dites. Oh gna gna, oh tout ça? Oh là là! De rien. Et oui, c'est une vieille vidéo, mais simplement parce que ce genre de montage, en fait, il m'arrive de les commencer puis de passer à d'autres qui me semblent plus urgents. Et c'est comme ça que je me retrouve avec une ribambelle de montages qui sont en partie commencés mais pas terminés. Il faut savoir que à chaque sortie, je peux au moins faire une vidéo qui va faire quelques minutes. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de vidéos que je pourrais encore faire, en sachant que je fais entre 4 et 5 sorties par semaine à vélo. Et quand je dis que je peux faire une vidéo de quelques minutes avec une seule sortie, c'est un minimum parfois, mais c'est carrément 4 ou 5 vidéos tellement j'ai du contenu. Allez, encore, putain, maudite de trottinette, hein. On est marre. Allez. C'est étrange, hein, parce que quand je fais ce genre de choses, il n'y a jamais personne pour me dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Pourtant, c'est quelque chose qui obstrue le passage sur une voie, comme les j'écume garés n'importe où. Je repère un piéton, donc je mets ma main pour signaler qu'il faut s'arrêter. Oh, piéton! Oh ouais! Bravo! C'est bien! Bravo pour votre civisme! Ouais. Et pour mes détracteurs donc, hein, pour les rageux qui me tombent constamment dessus, vous voyez que je ne pense pas qu'à ma gueule, hein? Je pense à tout le monde. J'essaie simplement de faire en sorte que les gens respectent le code. C'est un minimum. Comme ici, par exemple. C'est dès le passage, une fois que l'obstacle est de son côté, comme le véhicule là, ce qu'il ne fait pas. Tu m'avais arrivé, bah ouais, mais t'agroche pas alors. Faut pas s'engager, monsieur. Vous me comprenez pas? Vous m'avez vu arriver. Non, l'obstacle est de votre côté. Il y avait la demoiselle cachait ma vue, m'en cachait moi. Non, je regarde, j'avais vu la demoiselle. Mais ouais, mais regardez partout, monsieur. Mais ça arrive tout le temps. Oui, mais vous avez vu le véhicule que vous avez? Je vous ai pas touché, en est loin. Ah, vous m'avez pas touché, alors ça va. Et si c'est un enfant? C'est pas comme si c'était prêt, arrêtez, je vous ai vu, je me suis mis sur le côté. Oui, mais ça, on ne doit pas faire ça, c'est tout. Acceptez la remontrance quand même. D'accord. Ah, ben voilà, merci, allez, bonne journée. Oh, putain. Allez, madame, là. Mais oui, ben, ne roulez pas sur une piste cyclable, madame. Là. Oh, roule. Piste cyclable, c'est pas pour les voitures. Oh, ça va, j'ai pas fait exprès, j'ai pas vu, mon Dieu. Allez. Ah là là, au lieu de faire preuve de mauvaise foi, dites simplement pardon. C'est normal, courez pas, allez-y, cool, hein. Vous avez priorité, c'est normal. Oui, et pour ceux que ça étonne, encore une fois, nous sommes ici dans une zone de rencontre. Les piétons sont prioritaires. Alors ici, une longue séquence, mais ce qui est important se passe sur la vue arrière. J'ai mis la vue avant aussi pour qu'on puisse comprendre pourquoi je ralentis des fois, pourquoi je m'arrête même des fois, voilà, comme ça on voit ce qu'il en est. Mais encore une fois, je me fais suivre par un véhicule, mais de façon beaucoup trop proche. Il est à quelques mètres de mon arrière, on est à 20 km/h. C'est trop près, beaucoup trop près. Et le problème, c'est qu'en plus, il va encore plus s'impatienter. Il va encore plus me coller. Et bien sûr, évidemment, ça m'agace. Du coup, à un moment donné, je vais lui faire signe. Oh oh, distance. Et ça va pas lui plaire. Et il va encore plus me coller. Distance. Vous gardez vos distances? Ah ouais.
ce qui ne me plaît pas non plus du coup. Ça ne sert à rien de coller les gens comme ça, vous n'allez pas avancer plus vite. Gardez vos distances, c'est tout. Et petite séquence sur la vue arrière, juste pour montrer la façon dont il réagit. Alors on voit ses mains, il me fait des signes hein, pour dire « Allez, avance, avance !» Mais est-ce que vous croyez que je vais avancer plus vite si vous m'intimidez de cette façon-là? Ben non, ça va être le contraire. Ça ne sert à rien de faire ça. Et évidemment, comme d'habitude, hein, la rue du Pont... J'en ai bien dû faire au moins 20 des vidéos dans cette rue. Allez, on va être gentil. Bonjour madame. Bonjour madame, excusez-moi. Vous êtes très mal garé, vous mettez en danger les cyclistes qui veulent contourner. Vous comprenez? Oui, oui, s'il vous plaît, tout de suite, s'il vous plaît. C'est dangereux pour tout le monde. D'accord? C'est interdit, vous êtes garé en sens inverse, vous comprenez? Ben ne le faites pas, si vous savez en plus. Mais madame, non, s'il vous plaît. Mais oui, mais enfin, allez, maintenant vous partez, vous êtes allé à la banque, maintenant vous partez, plutôt regardez votre extrait de compte, non? Madame, vous regarderez votre extrait de compte après, madame? Démarrez? Pas possible ça, hein? Madame. Vous regarderez vos extraits de compte après, madame. Là, vous mettez en danger les cyclistes et vous gênez toutes les personnes qui vont passer. C'est quand même pas compliqué hein, d'être un peu civique. Voilà, merci. T'as tout le temps du monde, mais il faut que tu regardes tes extraits de compte dans la bagnole. Hein? Quand vous faites ça, le temps que vous voulez gagner, c'est sur le dos de la sécurité des autres citoyens. Donc c'est égoïste. Et dangereux. Là, il y a un piéton qui va le trouver pour lui dire que ça ne sert à rien de klaxonner, et il a bien raison. Ouais, c'est bien. Il a qu'à attendre un peu. J'essaye, hein. Ah bah ouais, sur le trottoir, c'est tellement gay. Allez, plutôt que d'abîmer sa voiture, hein. Alors ok, il n'y a pas beaucoup de place, mais là, le problème, c'est qu'il force le passage alors qu'il y a des piétons qui arrivaient. Et ça, c'est contraire au code de la route. De rien. C'est pourtant pas compliqué hein, de respecter le code de la route et donc d'être respectueux des autres. Oh non madame, excusez-moi, je voulais pas vous faire peur, excusez-moi. Ben oui, quand je fais des bêtises dans ce genre-là, arriver un peu trop vite, j'ai besoin de personne pour me le dire. Et je m'excuse spontanément. Allez, bonne route tout le monde.